Alors en fait, j'espère que je trouverai quelque chose d'à peu près similaire pour ma base définitive, parce que cette espèce de cul-de-sac, ça peut servir de salle pour ma maison. Et alors ça a l'air d'en être une autre. Non. Ça continue à descendre. Ok. Hop. D'abord du plus important. On va laisser ouvert, ça sera probablement ma descente. C'est que ça. C'est que ce bruit de l'orage. Il a prévu de pleuvoir aujourd'hui. Je suis en train de réfléchir là tout de suite. Je suis en train de me dire que je pourrais peut-être faire le reste en verre en fait. Mais que ce soit complètement inutile. Je trouve que ça pourrait être joli. Je pense qu'effectivement, je vais faire le reste en verre. Débarrasser de cette terre à l'intérieur de la maison. Ça va faire tache, sinon. Ok. Comment on va s'y prendre? Je vois très bien ce que je veux faire. Je réfléchis à comment. Que faire en premier pour être le plus efficace? Oups. Il commence à faire jour. J'ai envie de me faire une pelle. Hop. Et d'aller un peu dans le désert récupérer du sable. C'est ce que je fais tout de suite. Décider. Je peux peut-être maintenant en profiter pour récupérer la pierre qui dépasse ici. Penser qu'il faudrait pas trop que je m'éloigne. Que plus je m'éloigne et plus je vais générer du terrain. Et si je génère du terrain, ça va être encore plus galère de trouver un nouveau terrain plus tard. Je vais essayer de pas aller trop loin. Ce qu'il faut. Pas de souci pour ça. Ce qu'on fera, c'est comme d'habitude, on ira se promener dans le nether. Parce qu'il va me falloir des ressources du nether aussi. De toute façon, farmer dans le nether. On ira dans le nether et puis on fera un portail. Très très loin à distance, ça nous fera voyager plus rapidement. Puis je reviendrai après pour fabriquer un chemin de fer à la main.
Ok, combien j'en ai? 64 piles. 65 maintenant, j'imagine. Ouais, c'est pas. Ça va pas être assez, je pense. Toute façon, je n'ai plus de pioche. Hein. Merci. Si. Un petit coup dans le désert. Récupérer quoi? 2 x 64. Si on peut, si l'appel le permet. Pas sûr. C'est pas sûr. Et la masse de marée quand même. Hein. Là, vous voyez bien la différence de couleur entre les arbres. Et alors ça doit être une des choses que j'attendais le plus. Enfin, ça se fait un peu au fur et à mesure. Il y en avait déjà un peu avant, mais je trouve que là c'est mieux fait qu'avant. Ce que j'attends aussi, c'est l'eau maintenant. Faut le même traitement pour l'eau. Et quoi? Rien. Non. Il y a un mode qui améliore le rendu de l'eau en fonction des zones. Et ce serait bien qu'il y ait la même chose pour le Minecraft de base. Ok. Bientôt au bout. Il y a aussi des nouveaux donjons. C'est pas des donjons, c'est des. Comment on appelle ça? Des bastions, je crois. Ouais, je dirais peut-être bastions. Bastions, ouais. Des bastions. Alors, il y a quelques jours, il y en avait un par map. Mais je crois que maintenant, il y en a plus. Trois, peut-être. Enfin bref, tout ça pour dire que ça va être aussi un des objectifs de cette nouvelle saison, c'est d'en trouver un, mais pas tout de suite parce que je crois que. Ah ouais, mais ça va être pour la 10.9, je pense. Enfin, il était prévu qu'on rajoute des choses à l'intérieur, des boss, probablement des coffres derrière. On va payer maintenant. Ça va être la surprise, ça va être pour la notre saison 2 exil. Ou plus, peut-être saison 3, on va l'appeler, je crois. Je sais pas encore. J'ai mis 3 heures à trouver les noms des deux premières parties. Je suis même pas sûr qu'elles soient très judicieusement choisies. Dites-moi ce que vous en pensez, d'ailleurs. Ressources et exil. Enfin, je préfère que ce soit un seul mot qu'une phrase entière. Ça fait plus classe comme nom de saison. Un mot plutôt que plusieurs. Mais dites-moi si vous avez de meilleures idées. Voilà. J'ai mis ressources dans la première histoire de faire une espèce de collecte massive. J'avais hésité avec quoi, la préparation, mais le fait qu'il est là, ça me. Préparation, peut-être tout quoi, faudrait appeler. Et deuxième, c'était exil, mais exil, ça fait trop. Je sais pas. Ce que je veux juste, c'est retrouver une base, quoi. Il ne s'agit pas non plus de partir en voyage sur des kilomètres. Donc je sais pas. Pour l'instant, je laisse comme ça. Ressources et exil. Ok, toi, tu me donnes ton poulet.
personne. Ce qui me dérange un peu, c'est que je trouve que maintenant il y a trop de nourriture distribuée, je trouve. Il n'y avait pas autant avant. Et pourquoi j'ai récupéré? Intelligent. J'avais dit que je ferais de la glace. J'avais dit que je ferais du verre. Pour le reste, alors pourquoi avoir récupéré tant de cobblestone? Je ne sais pas. Pour l'idée. Et oups, je vais tomber dans le trou. Voilà. Voilà en gros la forme que va avoir ma petite maison. Je vais casser. Non, j'ai plus de quoi casser. Je vais enlever ça aussi. Enlever ça. Mettre du bois à la place. Ok. Je vais probablement fermer ça. Histoire de cacher la misère quand même, parce que c'est pas très beau. Hop, hop. Zut. Ok. Voilà. Un truc comme ça. Ça, je vais l'enlever aussi du coup. Voilà. Ça aussi. Si, comme ça, voilà. Là, je vais aller dehors pour plus facilement terminer. Voilà. Bien embêtant ça. Comment je termine ça? Je ne sais pas. C'est pour hop hop là hop là comme ça je suppose, ouais comme ça. Comme ça. Et comme ça, ouais. Qu'est-ce qu'il y a là-dessous? Ah, ouais, donc on peut enlever. Hop, ça par contre, on peut rajouter un. Ouais. Joli, on peut couper là. On va quand même dégager un peu pour pouvoir sortir comme il faut. Voilà, ça aussi. Et il me semble qu'on est bien cette fois. Voilà. Oups. Squelette. Je vais faire des portes. Je vais en faire combien? 3. Donc 2 ça suffirait. Ouais, je pense que 2 suffirait. Une pour là. Non. Là que je la veux non plus. Mais rêvez. Voilà, là que je la veux. L'autre, pareil. Voilà.